Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière à la Roche Vendée Foot en Ligue 2 où on est en galère, il faut le dire, on est en galère, oui, puisqu'on est dans la charrette, hein. On est dans la charrette pour l'instant 18ème, on espère que ça va aller mieux. Aujourd'hui 3 matchs, il va falloir les prendre un par un, il va falloir y aller, il va falloir retourner au charbon, ça va être dur cette saison, on le sait. Mais on va se battre, on ne va pas lâcher. J'ai fini la vidéo dernière sur 3 défaites d'affilée et du coup le moral en berne. On va essayer de repartir de l'avant avec ce déplacement à Dijon. Ce déplacement à Dijon qui ne va pas forcément être évident. On commence à avoir des blessures, etc., etc. On va continuer à garder cette approche plutôt offensive. J'ai vraiment envie d'essayer de remonter la pente comme cela. Pour moi, ce n'est pas en se recroquevillant sur son but qu'on obtiendra des résultats. Sawan Chevalier, du coup, qui va revenir. On commence à avoir pas mal de blessés ici. Mais bon, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Avec notre formation asymétrique et Kays Ruzatil, qui est positionné en numéro 10, vraiment dans les meilleures conditions pour performer. On attend lui aussi, voilà, qui nous apporte quand même des choses. Philippot. Ouais, tout ça, on a des réponses pour le poste de responsable du recrutement, je crois qu'on avait déjà pris quelqu'un. On va y aller, hein, on va y aller. Un petit coup d'eau et c'est parti. Dijon, à l'extérieur, allez, il faut y aller, il faut y aller, c'est maintenant là, c'est maintenant. À l'équipe, c'est celle-ci, en dessous sourd, Kays Ruzatil. Trotman, est-ce qu'on ne ferait pas confiance à Sofiane Brice plutôt? Oui, je pense. C'est parti pour ce match. Allez, messieurs! La patate, la guerre! Tout de suite! D'entrée de jeu, là. Ah, il faut y aller, il faut se battre, il faut tout donner, tout donner. Et let's go. Let's go. Allez, jouez sans pression, vous n'avez rien à perdre, à part les 3 points évidemment. Mais ne pensez pas à ça, il faut qu'on développe un jeu attrayant sur le terrain déjà dans un premier temps, avant de penser au résultat, ça viendra tout seul. Allez, Sawan Chevalier, Bansé. Avec Sofiane Driss, la balle en retrait. Bansé, Sacha Bansé! La frappe, et cette fois-ci, c'est nous qui commençons bien le match. Oh oui, cette vidéo qui commence de la meilleure des manières ici, à Dijon. On voit le stade hein, qui est bien rempli. Ah, j'ai plus en tête le nom du stade des Dijonnais. Désolé. Ça m'est sorti de l'esprit, mais en tout cas, c'est bien. Allez. Attention à ce ballon sur le côté vers Silva. Ah, il va réussir à sauver cette balle. Il va jouer en retrait vers Faye. Redoublement de passe. Attention, en retrait, c'est contré. Ouh là 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 là, on n'était pas présent au marquage. En tout cas, Sacha Bansé qui nous fait une belle entrée. Il n'est pas beaucoup joué hein, depuis le début de la saison. J'ai vraiment envie de lui faire confiance et ça, voilà, ça nous donne aussi, et il profite des blessures des uns et des autres, ça nous donne quand même une longueur d'avance, même si on sait que c'est loin d'être suffisant. On est capable de prendre 2 buts en 10 minutes, ça on le sait, on l'a déjà vécu plusieurs fois cette saison. Et pour l'instant, on n'y est pas là, au marquage. Allez, Bansé, c'est bien. Une action positive, une action négative, comme ça en équilibre. L'arbitre qui va siffler pénalty sur cette intervention de Sacha Bansé. Ouais, il est derrière, il est en retard, il n'y a rien à dire. Hein. Rien à dire. Et je ne sais même pas si on a déjà arrêté un pénalty depuis le début de notre carrière à La Roche. Alors peut-être maintenant, Jordalistam! Oui, messieurs, dames, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Personne, Célina. Au corner, attention la tête, c'est dégagé. Sofiane Driss, il va pas réussir à. Et ça va revenir sur notre but, attention. La pression qui continue d'être mise. À pouvoir souffler. Oh là 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 là, Dijon là, triple occasion. On s'en sort. On s'en sort pour l'instant. Oh là là, ça nous sortirait à peine de la zone de relégation cette victoire-là. Et on voit qu'il y a un trou qui commence à se faire. Hein. Le 11e qui a 19 points. Et le 12e à 15. Allez, on rééquilibre un petit peu les débats. Mais par contre, on a plus le ballon, j'ai l'impression, en jouant comme ça. Alors oui, peut-être qu'on s'expose un peu. Pas mal d'équipes de Ligue 2 qui sont habiles en contre. Peut-être qu'on s'expose, c'est vrai. Oh non, mais non!
Au bout d'un moment, c'est trop, monsieur l'arbitre! La moindre poussette, y a faute! C'est fou! Voilà, pas de pénalty, au bout d'un moment, c'est bon. Il faut mettre une biscotte si c'est comme ça, hein. Simulation, c'est biscotte, hein. À un moment, c'est bon, les conneries. Pas capable d'avoir une occasion sans ça, les Dijonais, ou quoi, là? La moutarde. C'est comment? On espère que la moutarde, elle va pas nous monter au nez, nous, hein. Par contre, restez tranquille, restez serein. Avec Asrizati, hein, qui fait pas des prestations XXL pour l'instant. Ah, j'espère que je n'ai pas regretté de lui avoir confié toutes ses responsabilités. Pour l'instant, on va féliciter l'équipe. Oh, non, 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 j'espère qu'on va prendre ce but. Bande C, c'est dégagé, ça va peut-être revenir Simic. Personne qui va au-devant du ballon. Ils sont complètement libres. Attention, hors-jeu peut-être. Alex Robertson. Oh là là, prions pour qu'il y ait hors-jeu. La VAR. But refusé, messieurs, dames. Et ils étaient étrangement seuls, les Dijonnais, encore une fois, sur cette action. Ah, ça commence à faire beaucoup, là. Hein. On va souffrir, hein. Tous les matchs, ça va être comme ça. Maintenant, il faut que certains matchs bah, voilà, basculent de notre côté. Ça a été plus souvent dans l'autre sens cette saison. J'espère que, là, comme dirait un certain Franck Ribéry, la roue tourne va tourner. Une nouvelle occasion, hein, pour les Dijonnais. C'est. Ouais, ça va, au bout d'un moment, les hors-jeux, peut-être. Oh! On va repasser en équilibre, peut-être. Hein. Essayer de laisser moins d'espace à nos adversaires, peut-être. Peut-être aussi revenir, hein, dans un système que l'on connaît un petit peu mieux. Avec un Kayserizatil un plutôt meneur de jeu avancé, de soutien. Mais en tant que milieu axial, essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et on va faire des changements là. Il faut essayer de garder de l'influx des joueurs frais. Mathieu Kambala qui va faire son entrée. Sacha Pansé qui va repasser ici. Kayserizatil, on va mettre Tizovski. Ryan Bamba est fatigué, mais j'ai peur de trop changer des choses. En même temps, on ne peut pas se permettre. Il faut faire attention un petit peu. Et Robin Bird qui va remplacer Ansuso. Voilà, 4 changements. On va confirmer ça, c'est parti. Essayez de tenir jusqu'au bout. Le plan pour l'instant a fonctionné. Attention de ne pas parler trop vite. Ce ballon qui est dégagé, il va revenir avec Dermuç. Dermuç qui est obligé de reculer. Ça, c'est très bien fait. Oh là, la faute, attention. Par contre, là, il y a beaucoup trop d'espace sur le côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là, la malchance qui nous retombe dessus. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Cette frappe qui heurte le poteau, ensuite le dos de Jordan Istam pour venir finir dans nos filets. Et ça va revenir avec la frappe à côté de Silva. Et ça sent, hein, le scénario qu'on connaît. Et ça se sent là, hein, le scénario qu'on a l'habitude. Où on mène et que derrière, eh ben, il se passe ça. On se fait punir. Les équipes qui remontent tranquillement. Il y a zéro pressing! Mais il y a zéro marquage! Zéro pressing! Qu'est-ce qui se passe? N'y a pas de marquage individuel dans cette équipe. Comment ça se passe? Il n'y a pas de marquage tout court. Envie de crever! Ça rend fou. Ça rend fou. Et le ballon écarté vers Sofiane Brissot, le ballon perdu, et voilà. On fait une bonne entame de match et derrière on s'écroule. On s'écroule complètement. C'est déplorable. Ce qu'on est en train de montrer là, en fin de match, c'est déplorable. Oh là là, et puis eux, ça régale, hein. La fausse joie d'avoir mené un 0 et de derrière s'écrouler complètement. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être... Je sais pas, est-ce qu'il faudrait...
Quoi faire? Rester en pression offensive tout le match? Gerard Gomez, le débordement, Wari Pakia! La passe, hein. La passe directement dans les bras du gardien adverse. C'est génial, c'est super. On adore. On adore. Envie de crever. Envie de crever, tout simplement. Et ouais, je cherche des solutions, mais je n'en trouve pas pour l'instant. Et on manque de confiance, hein, clairement. Alors après, il faut pas grand-chose, peut-être. Petite victoire et ça nous relancerait bien, mais ça remettrait la machine en marche. Mais là, c'est cruel en plus à chaque fois les scénarios de match. Oh là là, et on va jouer Laval qui est 16e et c'est vraiment... Là, c'est le match à gagner. Là c'est maintenant. On a beaucoup appris lors du match face à Dijon. Ouais, beaucoup appris qu'on était nul. Tout simplement. Est-ce qu'on pourrait pas, dans la tactique, il n'y a pas moyen d'avoir un, je sais pas moi, consigne particulière. Marquage strict, hein. Je pense qu'on va partir sur du marquage strict, hein. Pas le choix, va falloir essayer de... Ouais, au moins sur un match. Effectif mécontent, bah ouais, mais bougez-vous les fesses aussi! Qui est responsable à votre avis? Mauvaise atmosphère au sein du vestiaire, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon à savoir. Ils veulent qu'on règle des soucis. Qu'est-ce qui se passe? Qui est mécontent? Alain Trottmann est mécontent. Qu'est-ce que tu veux? On va discuter. Qu'est-ce que tu veux? Bon, écoutez, Ryan Trotman n'est pas content. Ryan Trotman pense qu'il mérite un meilleur salaire. Moi, je pense qu'il mérite rien du tout parce qu'il fait rien sur le terrain. Donc, à un moment, le salaire, faut le mériter. Avant de venir réclamer les trucs, bougez-vous le cul sur le terrain, rapportez-nous des points. Et là, on discutera. Parce que là, moi, j'ai distribué des salaires à tout va à l'intersaison. Et derrière vous, on se la coule douce maintenant. On fait des bons débuts de match, on régale, et après derrière, on arrête de courir, on arrête de jouer, on laisse l'adversaire nous défoncer. C'est décevant, c'est décevant, on va regarder l'effectif. Joseph Vanda va pouvoir être de retour. Opéra toujours blessé, Rasmekev, Sacha Bansé. On va remettre un Vukovic, hein. Kays Ruzatil, un Sofiane Driss. On espère que Kays Ruzatil va se réveiller. Hein. Clairement, on a besoin de lui. Allez, Trotman, va en sélection. Arrête de nous casser les pieds. Nous, on va jouer un match ultra important face à Laval. Les joueurs de Laval, il va falloir leur rouler dessus. Hein. On n'a pas trop de choix. On part avec ça, Joseph Zvanda qui est pas trop content. Le moral dans l'équipe est difficile. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est vraiment dans une mauvaise passe, une spirale extrêmement négative. Là, on enchaîne une quatrième défaite consécutive. Et pointez du doigt. Bonne chance, les gars. Et écoutez, je crois en vous. Je crois toujours en vous, sinon je serais plus là, hein. Je serais déjà parti. Faut absolument qu'on se maintienne, hein. Sinon le projet là...
Clairement, tel qu'on l'a envisagé, tel qu'on l'a ficelé, il tomberait à l'eau. Pour moi, ça tomberait à l'eau complètement. Qu'est-ce qu'il a-t-il? Allez, peut-être. C'est peut-être ce match-là, la révélation pour lui. La petite passe pour Nsousso, la frappe, c'est bien tenté, c'est bien essayé. Et ouais, du coup, les supporters, forcément, je les comprends, qui n'ont pas envie de venir au stade. Moi non plus, j'irai pas voir cette équipe de peintres. Hein. Même si on est capable de produire des belles choses parfois. Et là, ce serait beau de repasser devant Laval. Là, ça nous ferait extrêmement, extrêmement plaisir. Ça nous apporterait beaucoup de satisfaction. Hein. L'équipe qu'on est censé dominer normalement, au vu de ce qu'on met en place sur le terrain. Allez les gars, allez c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On domine un petit peu ce début de match. C'est pas fou, hein, mais c'est pas mal. Il y a un changement, hein, du côté de Laval. Défenseur central qui a été remplacé. Première action qu'on va avoir le droit de voir aujourd'hui, et c'est une action pour les Lavallois. Avec ce ballon qui trouve Kovacevic qui va écarter. Attention, il y a toujours un 2 contre 1 sur l'aile. Kovacevic qui s'était retrouvé encore dans la surface pour ajuster cette tête. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas cadré. Heureusement pour nous. Voskanian. On vient retrait vers aussi faux. Allez, il faut être au marquage, les gars. Et toujours de la place sur le côté. Et c'est. Oh, mais! Sofiane Driss! Oh, il n'y a rien qui va sur cette action. Il n'y a rien qui va. Sofiane Driss qui fait, commence à faire l'effort pour venir compenser sur le côté. Derrière, il s'arrête. Il laisse le mec passer. Le défenseur, il se prend un petit pont dans la surface. Regardez ça. Il fait l'effort hein, de se replacer. Oh non, finalement, j'y vais pas. Derrière, Chevalier, il est en retard. Il se fait bouffer. Il se fait bouffer et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, je peux pas faire des miracles hein, si les joueurs non, vraiment n'y mettent pas du leur. Là, je suis désolé, mais je vais lancer la bouteille d'eau, les gars. Je vais lancer la bouteille d'eau, ça va pas. Ça va pas du tout, tout ça. Allez, deuxième mi-temps. Et on va essayer de se remettre la tête à l'endroit, là. Allez, les gars. Pressing. Pressing. Oh, on a 10 sur le terrain, normalement. Hein. Encore un contre deux à jouer. Et encore une fois, et oui, évidemment! Je comprends pas. Je comprends pas. On va les mettre en tâche de soutien, puisque si je les mets en tâche d'attaque, les mecs, ils reviennent jamais défendre. Et 2-0 pour Laval. Je suis dépité. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées, des solutions. Je suis preneur, je suis à l'écoute. De toutes de vos idées, de vos propositions, parce que là, j'avoue, je commence à sécher un petit peu. On a tout essayé, une mentalité un peu plus défensive, un peu plus essayer d'être un peu plus costaud. Là, on est un peu plus conquérant, mais il n'y a rien qui fonctionne. Bon, oui, penalty, bah oui. Oh oui, de toute façon, dès qu'on touche un gars dans la surface, il y a péno. Ah, nous, dès qu'on fait une intervention dans la surface, il y a penalty. Écoutez, j'ai envie de couper la vidéo, tout simplement. J'ai envie de couper l'enregistrement et d'aller faire autre chose, d'aller jouer à un jeu qui me donne du plaisir, en fait. Parce que là, j'en prends aucun, regardez ça. Il n'y a même pas une petite rébellion, même pas un petit truc, il n'y a rien. On se fait juste défoncer et personne réagit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout ça. Voilà, on va mettre Walid à midi. Trotman, tiens, tu voulais te montrer. Bah, vas-y, montre-toi. Robin Bird. Kaïsruizatil. Écoute, toi, tu vas reculer d'un cran. On va te mettre milieu axial d'attaque. On va mettre, du coup. Tahiri Rakoto. On va mettre Kambala. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites la différence. Faites la différence. Et puis bonne chance. Bon courage. On va mettre tout ça en offensif. Et puis amusez-vous. J'ai envie de dire amusez-vous. Qu'est-ce que. Voilà, envie de crever tout simplement.
On est là, possession égale, nombre d'occasions égales, mais on perd tous les matchs. Avec Cadley. Cadley qui va jouer en retrait tranquillement vers Thomas. Il n'y a toujours pas de. Ah, c'est bien, pas mal. Voilà, lui il est tout seul. On va mettre 10 ans à monter sur lui. Il peut faire un crochet. Les mecs ont une liberté, c'est hallucinant. Hein. Ils sont pas gênés. Voilà. Ah, ça y est, on commence à monter dessus. Ça y est, on déclenche quelque chose. Ah, bah non. Non, le mec est. Bah non, le mec fait ce qu'il veut. Il dribble un joueur, deux joueurs. Aucune opposition. Il n'y en a pas un qui va mettre la semelle. Un pas qui va être un petit peu méchant. Un peu d'envie là. Allez. Oh. Encore une contre-attaque. On se fait dévorer. On se fait dévorer. Wow! Attends, nous, il nous siffle des pélos dans tous les sens. Et lui, il nous met un coup de pied dans la tête. Y a rien. Mon joueur, il va dégager de la tête. Tant il fait une retournée. C'est bon aussi. Monsieur l'arbitre, c'est du Muay Thai ou c'est du foot? Oh là là! Corner pour Laval. Et le premier poteau but. Évidemment. Oh, je vais la lancer la bouteille. Oh, je vais la lancer la bouteille. Ils vont la prendre. Ils vont la prendre dans la tête, celle-là. C'est dingue. Envie de crever. Encore une fois. Je pense qu'on va. Je sais pas, on va tenter autre chose encore. On va essayer de bricoler. On mange le tarif. Le tarif maison. J'ai une idée, je sais pas si elle va vous plaire, mais. Je suis loin d'avoir apprécié le résultat. Hein. Je ne suis pas content du tout. Voilà. Ce qu'on va faire, on va revenir à. On va revenir à autre chose. Hein. On va revenir à autre chose. Écoutez. Hop. La faible équipe de La Roche a encore perdu. On est faible, ouais. On est faible. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va passer là. Hop. 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 Voilà. On va mettre. Un milieu latéral, un ailier de soutien. Un ailier de soutien, voilà. Ici, un meneur de jeu en retrait de défense. Un milieu box-to-box. Voilà. Voilà. Sacha avancé, je pense qu'il peut être box-to-box, non? Kambala. Kambala en box-to-box. Ici, ça va être Trotman. Et ici, Walid Hamidi. Voilà, Rafsmeken s'est suspendu. Tizovski va être là. Svanda Sow, ça s'entend pas très bien. Ça s'entend pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonne chance, c'est tout. Bonne chance. Voilà, Waripakia et Hamidi. Hamidi va jouer du coup en faux neuf. Voilà. Et on va avoir Waripakia en attaquant avancé d'attaque. Et puis, qu'à cela ne tienne, avec le ballon, on va envoyer des passes plus directes. Voilà, on va y aller. En transition, on reste comme ça en contre. Et sans le ballon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Hein. On va attendre en bloc médian. Et déclencher un peu plus de pressing. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Et puis, puis bonne chance. Bonne chance, tout simplement. Ouais, il faut changer des choses, il faut tenter hein, des autres approches. On n'a pas le choix, c'est difficile. Compliqué, compliqué. Allez, on va se battre, on va se battre. On n'est pas comme ça, nous. On est des durs à cuire. La supervision est terminée. Là, on est dans le dur, dans le dur, dans le dur.
Ouais, Stanisic qui est blessé. Caen à l'extérieur pour le dernier match de cette journée. Cette vidéo pour aujourd'hui. Ah, ce serait bien d'aller gagner au moins un point là-bas à Caen. Parce que là, sinon, on va rentrer en déprime. Hein. On va rentrer en déprime et je vais plus avoir envie de lancer le jeu. Hein, si ça continue comme ça. En même temps, faut être réaliste. On a fait le grand saut. On est monté 2 années d'affilée sans avoir non plus vraiment une mise à niveau de quoi que ce soit dans le club. On n'est clairement pas au niveau. Faut se le dire. J'espérais. Bah, voilà, mon espoir, moi, c'est d'arriver à nous maintenir. Arriver à nous maintenir pour justement arriver petit à petit à mettre le club au niveau de la Ligue 2 et pouvoir un jour viser plus haut. Mais là, pour l'instant, avec les moyens actuels qu'on a, même si bien sûr on a réussi à recruter, etc., mais je parle du club dans son ensemble, beaucoup trop faible. Beaucoup trop faible. Et peu d'expérience hein, du haut niveau dans l'équipe. Pas... Voilà, j'ai recruté ce que j'ai pu. On va faire avec les armes qu'on a, on va essayer de se battre. Suis dans l'expectative, comme pour tout vous dire. Ouais, je vous le redis, n'hésitez pas à mettre un petit like pour aider, abonnez-vous, ça soutient. Et puis surtout en commentaire si vous avez des solutions. Voilà, on teste des choses. On va tenter le 4-4-2 à plat, un peu plus bas, essayer de contrer, jouer un peu plus direct. On verra si ça peut convenir. Moi, je pensais avoir des joueurs quand même qui étaient capables aussi de. Qui étaient capables de. Ouais, de produire du jeu, d'avoir le ballon. On l'a vu, on peut des fois. Mais là. Tirage aujourd'hui du 8e tour de la Coupe de France. Qu'est-ce qu'on aura, nous? Bon, déjà, on va voir les aiglons. On va voir les aiglons. Aiglon Lamantin Martinique. On va jouer à un club de Martinique, les gars. On va jouer à un club de Martinique et ce sera chez eux. Attendez, on va se déplacer là-bas. Attendez. Attendez, on va se déplacer vraiment en Martinique. Ok, et eh bah ben, écoutez. Oh, peut-être que ça va nous changer les idées, ça va peut-être nous faire du bien. Voilà, petit voyage là sur boum, on prend un petit coup d'avion, on va en Martinique, on leur met une claque et on rentre. Voilà, j'espère que ça nous fera du bien. Et on voit que Orléans, eux, ben, ils ont réussi à bien s'adapter à la Ligue 2, ils sont quatrième. Hein. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est parti! J'ai peur de ce qu'on a mis en place pour aujourd'hui, j'ai très très peur. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Avec Waipakia devant, il faut tout donner pour mettre fin à la mauvaise série. Allez les gars, je crois en vous encore, encore, encore et toujours. Allez, 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 je vous aime les gars, s'il vous plaît, rendez-le moi. Oui, j'ai lancé une bouteille dans le vestiaire, mais c'était l'énervement. Je le pensais pas, et comme par hasard, on joue une équipe qui joue sans ailier. J'avais mis ça justement pour éviter d'avoir des deux contre un sur les ailes, et là, on joue une équipe qui joue sans ailier. C'est quand même un manque de réussite, ça, non? Bon, en même temps, vous allez me dire, je ne les ai pas scoutés du tout. Pas préparé le match. Mais de toute façon, c'est pas un plan spécifique à ce match-là. On restera en 4-4-2, je pense. Corner de Brahimi. Second poteau, c'est repoussé. En dessous-saut. Oh, en dessous-saut, il y a de l'espace. Faut y aller. Cours, 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 cours. Allez, accélère! Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible! On a une contre-attaque phénoménale et l'autre il fait quoi? Il s'arrête et il se la fait reprendre. Mais je deviens fou! Je vais devenir fou avec des joueurs comme ça! En dessous-saut, c'est quoi ce délire? Oh là là, et derrière le latéral qui a tout loisir de déborder, de centrer! La tête de Silla! Et c'est la barre transversale qui va nous sauver. On est dominé, hein! On est dominé, on va se mettre en prudent, je pense, plutôt pour cette tactique. Correspondra un petit peu mieux à nos qualités. On va essayer d'exploiter ça en contre, mais. Oh, en dessous-saut, attendez, à moins qu'il ait perdu toute sa vitesse, mais là, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Et pour l'instant, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. C'est difficile, mais on tient. Il est où en dessous-saut que je m'énerve un coup là. 14-13, ça va? Il y a plus lent quand même dans le football. Me dites pas que ces joueurs, ils sont tous plus rapides. Pff.
Pour l'instant, ça tient. Alors, par l'opération du Saint-Esprit, peut-être, mais ça tient. La touche de Rijbinski. Brahimi tout seul. Brahimi qui se promène et tous les joueurs le laissent passer. Il y avait deux joueurs qui avaient la possibilité d'intervenir sur lui. Les deux l'ont juste regardé passer. Des toréadors. Olé, regardez-moi ça. Allez, ne dites pas que c'est moi qui fabule. Un joueur, deux joueurs. Hop! Intervention fantôme de Vukovic. Toréador, comme on dit en NBA. Ah, il l'a laissé passer, hein. Les portes du saloon étaient ouvertes. Ah, vous pouvez jouer sans aucune pression maintenant, les gars. Et bah écoutez. Ouais, j'en ai plus rien à faire de toute façon. La spirale négative qui continue. Ouais, on change de côté, mais on attaque toujours par les canets. Jordan Istam. Enfin, un ballon dont il peut se saisir. J'ai l'impression qu'on a plus de supporters à l'extérieur qu'à domicile. Ça, c'est une folie aussi. Et Istam qui va dégager vers Hamidi. Hamidi qui n'a même pas essayé de sauter hein, pour se battre. Essayer de disputer ce ballon. Et derrière. Non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Défensivement, on est aux abonnés absents. Trotman, encore une fois. Ah ouais, n'y allez pas, surtout. Hein. Laissez-le jouer. Laissez-le jouer. Je vais faire des changements. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trotman, ça va être du Sofiane Brice. Kastruisa-t-il à la place de Kambala. Non, Tahiri Rakoto, non. Sacha Bansé. Ansuso, j'en peux plus. Il n'y a que 1-0, les gars. Oh là là, au moment où je dis ça. Il n'y a que 1-0, c'est pas terminé. Allez. Alors peut-être, 4 changements. Trois changements. Ouais, ça va absolument rien changer, hein. On touche pas une canette. On touche pas une canette. Et corner pour quand? Oh bah oui, allez-y. Ouais, on gagne. Je sais pas, en pourcentage des duels gagnés, ça doit être affligeant. Pas sûr qu'on a les stats, mais je suis même pas sûr d'avoir envie de les voir. Oh, peut-être une action. Attendez, peut-être une action. Wow, incroyable, Gérard Gomez. Sacha Bansé. Et il a des solutions. Svanda, le centre. Oh là 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 là. Corner. Corner, allez, allez, allez. On monte. Sofiane Driss. Ah, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Au stade Malherbe de Caen. Ouah, et pas qu'il y a premier poteau. Et Mandrea qui voit le ballon. Passer au-dessus. Ok, Jordan Istam. Allez, faut y aller là. Il faut se proposer, messieurs. Des solutions. Allô? Loin devant. Sur personne. Mais Sawan Chevalier. En bas là. Oh! La passe plein axe! Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Mais je vais péter un câble. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Kambala? Oh là 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 là. Et derrière en plus, la malchance quand elle vous poursuit, elle est là. Hein. Je vais critiquer, je vais critiquer. C'est pas possible d'être nul, pareil. Oh là 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 là. Oh, la saison qui vire au cauchemar. La série noire. Bansé qui écarte vers Robin Bird. Allez, pour sauver l'honneur. Peut-être Robin Bird. Hamidi, Walid Hamidi qu'on n'a pas vu du match. Oh, les notes des joueurs. 6,3 Svanda. Le centre, Warepakia est sur le poteau. Et en plus de ça, on n'a pas la réussite. On n'a pas la baraka de notre côté. On va s'incliner pour la sixième fois d'affilée dans ce championnat. Pas de commentaires.
spécifique sur ce match-là. Et puis voilà. Voilà, problème potentiel. Il devrait être Thomas Allemand. Qu'est-ce qui se passe? N'est pas suffisant. Ok, il veut bien être super sub maintenant, Thomas Allemand. C'est dur. Point classement. On est 19e à égalité de points avec Auxerre. Un point devant Quevilly-Rouen. 2 points de la zone de la sortie de la zone de relégation. Ah ben non, même pas Quevilly-Rouen a gagné. Donc on est bon dernier avec Auxerre. Bah écoutez, je vais sauvegarder la partie. C'est super, ça fait plaisir. Première fois qu'on est dernier. Bah c'est pas un plaisir vraiment. Hein, clairement. Voilà, j'espère que demain ça ira mieux. Bah, je vous souhaite aussi bon courage hein, pour la préparation du réveillon du Nouvel An. Ça approche, la Saint-Sylvestre. J'espère que vous avez prévu des belles choses. Je sauvegarde la partie. Je vous invite quand même à vous abonner. Je sais, c'est dur en ce moment, mais ça me soutiendra énormément. Avant qu'on me retrouve pendu dans mon bureau. Voilà. Et bah, écoutez, je vous dis à demain. Ciao, ciao.